Ok, Yama, faut te calmer là-bas. J'enlève mes lunettes que les choses sérieuses commencent maintenant. Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Hein? Aujourd'hui, ma tension n'est pas bonne. Hein? Si je vous montre seulement le... Qu'est-ce que je vais même dire? Le scénario que j'ai monté ici là pour faire ce live-là. Ah, ça, c'est le live le plus stressant de tous mes lives. Voilà. Bon, mais on va faire comment? En Afrique, on a des problèmes de courant, problèmes d'électricité, où que tu sois en Afrique. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend de votre localisation où vous vous trouvez en ce moment. Je ne suis plus à présenter. Je suis l'impératrice, la seule et l'unique. Voilà. Je t'aime aussi, ma chérie. Ou mon chéri, je sais même pas, Emmanuel Hada, ou je sais pas. Désolée hein, d'avoir prononcé mal ton nom, si j'ai pas bien prononcé, mais en tout cas, je t'aime aussi, merci. Alors, aujourd'hui, je suis là. Je pense que vous avez bien vu le titre, non, de mon live. Je suis là pour parler de l'histoire de Sylvie Kabaté et aussi d'une upcoming, parce que pour moi, elle n'est pas encore une star. Elle n'est pas, bon, d'abord, on n'a même pas de star. Une chanteuse guinéenne. Voilà. Donc, l'affaire de Sylvie Kabaté. Je ne peux pas rester sans me prononcer sur l'affaire là. Pourquoi? Parce que, un, c'est une histoire qui est très, très délicate. Deux, la personne concernée, bon, la femme en question, c'est une Guinéenne. Et vu que je suis Guinéenne, je vais défendre ma communauté et aussi je défends la femme. Oh, excusez-moi. Je défends la femme. Voilà. J'ai mis du temps pour parler de l'histoire de Sylvie Kabaté là. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas bondir. Je ne voulais pas bondir sur l'histoire parce que je ne suis pas du genre, quand tu entends quelque chose ou quand il y a une histoire qui fait le buzz, toi aussi tu viens, tu mets ton grain de sel dedans. Non, 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 je ne suis pas de ce genre. Je ne suis pas à la recherche du buzz. Je sais que c'est ce que tout le monde dit. Je ne suis pas à la recherche du buzz, mais vous pouvez bien aller sur ma page et regarder. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées sur lesquelles moi, Nanette, je ne me suis pas prononcée dessus. Donc, parce que... Ça ne m'intéresse pas, quoi. Voilà. Mais l'histoire de Sylvie Kabaté, là, je ne pouvais pas rester sans parler de ça. Si on a bien compris, ou si j'ai bien compris, je vais parler en mon nom. Je vais parler pour moi. Si j'ai bien compris, Sylvie Kabaté, d'après toutes les vidéos qu'on a regardées sur Mali Jolidé, avec coach Sonia, avec d'autres blogueurs et tout, d'autres influents et tout. Tu as eu une relation avec cette mamacita, une relation de 7 ans. 7 ans, ce n'est pas 7 mois. 7 ans, ce n'est pas 7 jours. 7 ans, ce n'est pas 7 semaines. Il y a beaucoup de personnes que je vois dire, ouais, la fille, pourquoi elle a attendu pendant tout ce temps pour sortir de l'ombre et tout? C'est parce qu'elle veut ternir à l'image de Sylvie Kabaté. Oui, c'est bien beau de vouloir protéger l'image de Sylvie Kabaté. Moi, pour moi, je me dis que dans l'histoire-là, les deux, ils sont tous fautifs. Mais Sylvie Kabaté, c'est lui le monstre de l'histoire. Mais la fille non plus, Mamacita non plus, elle n'est pas innocente. Je vais vous expliquer. Siriki, je vais commencer par toi. Comment est-ce que toi, tu peux être dans une relation
Bon, ça, c'est pas seulement toi. Hein. Il y a des relations. Les gens restent dans la relation pendant 20 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 50 ans, sans se marier. C'est pas que toi. Mais toi qui prônes l'amour, toutes tes musiques, tu n'as jamais chanté un morceau ou une musique qui va à l'encontre, pour dénigrer la femme. Non. Dans toutes tes musiques, tu n'as jamais dénigré la femme. Et tu as toujours parlé de l'amour. Tu as toujours parlé de... Tu as toujours fait les éloges des femmes. Donc, derrière ce Sidiki qui nous chante, parce que quel que soit le truc, on peut tout dire, ta voix, c'est Dieu donné. Malgré ce comportement de toi, on continue toujours à écouter. Parce que nous, on se dit que la... Pour nous, le Sidiki Gabaté que nous on connaît est différent de ce monstre qu'on a découvert maintenant. Et là-bas, tu viens mettre tes mains sur elle. Tu la mougou recto verso. Elle est là. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas féministe. C'est vrai que quand un homme et une femme font l'amour, excusez-moi, c'est ma connexion là, qui a déconné. Donc, j'ai dû changer. Alors, je disais quoi? Que lorsque un homme et une femme font l'amour, c'est réciproque. Il faut que ça soit réciproque pour qu'on parle d'amour. Voilà. Donc, celui que tu as pris la femme, là, vous êtes restés ensemble pendant 7 ans. On ne sait pas ce qui se passait entre vous là-bas. La connexion là commence à m'énerver. Ou bien c'est les sorciers de Sidiki qui sont venus. Hein? J'étais pas là-bas, donc je peux pas bien parler sur l'histoire là. Alors continuons, poursuivons. Sidiki, tu te permets de tabasser la fille. Tu la frappes. Tu la séquestres, tu l'enfermes, tu l'attaches, tu éteins les cigarettes sur son corps. Pas la cigarette, parce que c'est pas une seule fois que tu as fait. Tu as éteint beaucoup de cigarettes sur son corps. Hein? Tu sais, Sidiki, que tu as une chanson que tu as chantée, là où tu as dit que tu voulais être... Gembefola, on t'a dit que tu ne peux pas jouer la kora que parce que tu n'es pas complet. Ko langurto le dit que tu ne peux pas jouer la kora. Tu voulais être chanteur, on t'a dit que tu ne peux pas chanter que parce que ko langurto le dit. Tu as fait ça, ça t'a tellement touché que tu as sorti un morceau pour ça. Mais moi j'ai comme l'impression que ces personnes-là ne t'ont pas dit parce que langurto, lequel ils ont dit langurto, là toi tu faisais allusion à tes mains. Mm-mm. C'était pas par rapport à ça. C'est que tu n'es pas un homme complet. Parce que moi, je me dis qu'un homme, tout homme qui lève la main sur une femme, tu n'es pas complet. Tu n'es pas complet pour moi. Tout homme qui lève la main sur une femme est un PD. C'est lui qui a battu, tu es un PD. Parce que si tu n'es pas PD, les gens pensent que PD, c'est seulement celui qui mougou son ami garçon. Non, 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 c'est pas ça seulement, Sidiki. Parce que quand tu es PD là, tu as un côté femme. Donc, Sidiki, c'est ton côté femme là, tellement tu n'es pas homme. Tu n'es pas homme à 100%. Il faut que tu utilises la violence sur la femme qui se brûle pour toi, sur la femme qui satisfait tes besoins dans le lit. Parce que moi, je me dis que si tu étais un homme au complet, si tu étais vraiment au complet, comment ces idées sataniques, ces idées diaboliques peuvent te passer par la tête? Hein? C'est quoi? Tu as fumé la moquette? Ou bien, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi, Sidiki?
Qu'est-ce qui n'a pas marché avec toi? Quand tu vois la fille là, quand tu la, lorsque tu frappes maman, c'est ta série, quand toi-même tu la regardes, ça te fait quoi? Parce que chacun a son degré d'être maso. Peut-être que toi aussi, c'est ton délire, c'est ton fantasme. Il faut que tu frappes la femme pour que tu te sentes, pour que tu sentes l'homme en toi. Quand tu demandes à la fille d'aller faire ces avortements-là, pour venir et se filmer et te montrer, toi, t'envoyer ça, ça te fait quoi? Avortement que la fille a fait, parce qu'on ne peut pas avorter d'un chien. On n'avorte pas d'un animal, on avorte d'un bébé. Avortement là, donner naissance là, c'est le même chemin ils empruntent. Ces deux trucs là, même chemin. Donc toi, celui qui là, façon dont ta maman te donnait naissance là, c'est comme ça la fille là aussi a avorté. Donc c'est quoi qu'elle va te montrer là-bas que tu ne connais pas déjà? Que oui, que je veux être sûr. Tu veux être sûr? Quand ta maman te mettait au monde, est-ce que ton papa a dit film, je vais voir parce que je veux être sûr? Hein? C'était quelle curiosité tu voulais voir? Toi, tu es un vrai sorcier. Tu es un vrai sorcier, Siriki. Non, mais c'est vrai. On se demandait même pourquoi Dieu t'a donné les mains comme ça. Les mains comme ça. Les doigts comme ça. Mais comme on dit que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien au hasard. Celui, il sait pourquoi il ne t'a pas donné les doigts. Comme nous autres. Parce que tu es un sorcier, quel que soit ce que les gens vont dire. Ouais, mamacita, pourquoi elle a attendu pendant tout ce temps? Oui, parce que Siriki, maintenant, il commence à sortir. Oui, mais parce que Siriki s'affiche avec d'autres femmes. Mais là, mamacita, mais tu n'as rien fait, ma chérie. Contacte-moi, je te donne des idées pour te venger contre Siriki. Siriki, c'est pas seulement à Frima, là, ou à je sais même pas quoi. Là où on t'a enlevé, là. Ta nomination, là on t'a levé, c'est pas là-bas seulement on va te retirer. Maman Sita, il faut contacter les vraies femmes. Ils vont te donner le vrai chemin pour te venger. Moi je me dis que la fille elle s'est même pas encore vengée. Mais comment est-ce qu'un homme, toi tu peux être avec moi? Donc tu te dis que moi je ne suis pas faite pour être épousée quoi. Non, tu te dis que moi je ne suis pas faite pour être dolotée quoi. Tu te dis que moi je ne suis pas faite pour être en public avec toi. Tu restes avec la fille en privé, tu la tabasses, tu la chiffonnes et puis après 7 ans, tu la jettes. Mais même si mamacita attend 25 ans ou 50 ans ou 100 ans ou en décennie pour sortir de l'affaire là, elle a son côté dedans, oui. Elle a son mauvais côté dedans, mais elle aurait raison. C'est-à-dire que tu peux rembourser tous ces 7 ans de sa vie qu'elle a perdu à tes côtés. Si tu te couches, tu rofles. Nous qui sommes là, là, aujourd'hui, tout le monde met sa bouche sur toi. Nous, les papatos, là, on met tous nos gueules sur toi. Mais on n'est pas à côté de toi. On ne sait pas si tu ronfles. On ne sait pas si que quand tu dors, que tu pètes. On ne sait pas ce que tu fais quand tu dors. Mais pendant ces 7 ans-là, quand tu dormais avec elle, là, c'est elle qui prenait tout ça. C'est elle qui prenait tout ça. Donc nous, on n'était pas là-bas pour elle. Donc elle a fait tout ça. Elle a pris tous les coups que tu lui donnais. Se disant que, oui, un jour, il va changer. Un jour, mon jour va arriver. Il y a beaucoup de séries qui dans ce monde-là. Hein. Non, mais sérieux. Pardon. Ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de Siriki dans ce monde-là. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en concubinage avec les hommes ou qui sont mariées. Mariage même, c'est encore pire. Mariage même, c'est encore pire. Il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui sont mariées, qui subissent la même chose, parce que je ne vais pas dire qu'ils ont subi, qui subissent, qui continuent toujours à subir la même chose que Mamacita, mais qui sont calmes. Elles ne parlent pas. Donc les femmes, c'est le bon moment de dénoncer tous les Siriki qui se trouvent dans les maisons. Tous vos Siriki Gabate qui sont dans les maisons, là, il faut les dénoncer en même temps. On a vu combien de cas.
On a vu combien de cas de meurtre ici. Combien des femmes battues dans leur foyer qui ont été silencieuses, qui n'ont pas parlé, qui sont pleines. Et la famille de la femme a dit, reste là-bas, c'est le mariage, c'est machin. On a vu ça combien de fois ici? Fadiga, tu ne peux pas dire qu'elle suivait Sidiki à cause de son argent. Peut-être que Sidiki ne lui donnait même pas l'argent. J'ai dit peut-être. On sait quand même qu'elle suivait Sidiki à cause de son nom, à cause du nom de Sidiki. Parce que Sidiki avec doigt pareil là, et puis bouche pareil là, gueule là, dent là, on dirait quand Van Damme commence à lancer ses pieds là, parce que tout le monde sait que Van Damme il s'est bien écarté ses jambes. Brèche de Sidiki là, on dirait je sais même pas quoi. Donc si c'était pas Saramaya là qu'il avait là, que le nom là, Sidiki Diabaté, popularité et tout. Parce qu'il y a de ces femmes qui sortent avec les stars, c'est pas à cause de l'argent. C'est juste pour qu'on dise que ouais, telle personne sort avec telle personne. C'est tout. C'est juste pour le nom. Il y a des femmes qui sortent avec les personnes connues là, les stars et tout, les personnes influentes et tout. C'est juste pour le nom. Il y a beaucoup de femmes qui ne gagnent pas l'argent. Vous pensez que les célébrités africaines là donnent de l'argent? Ils ne donnent pas de l'argent. Les célébrités en général, ils ne donnent pas de l'argent parce qu'ils savent déjà que tu es avec eux à cause de leur célébrité. Donc, ils ne donnent pas de l'argent. Il y a beaucoup de femmes qui sont là-bas, c'est juste pour ça. Ils sont là-bas à cause du nom. Alors, ce que vous avez oublié, de nos jours, les gens s'en foutent éperdument avec qui tu sors. Ou qui est dans ta vie, ou qui est ton mari. Non. Ce qui les intéresse, là, ce que tu fais, ou ce que tu as eu à faire, ou ce que tu as comme plan. Arrêtons d'être dans l'ombre, arrêtons d'être l'ombre des artistes là, ou des stars là. Hein? C'est bien beau de dire que vous voulez sauvegarder l'image de Sidiki. Mais l'image de Sidiki Diabaté comparée à la dignité de cette dame, mais attendez quand même. L'image de Sidiki Diabaté là, ça va, on a tous vu l'exemple sur Arafat, paix à son âme. Arafat, il a frappé sa copine, il a cassé, lui là même, ses vidéos même on a vu. Il a cassé les assiettes sur la tête de la fille, brûlé, machin, tabassé, tout. Retiré des nominations, on a fait... C'est ce qui a fait que son n'a plus moussé. Non, c'est pas le même Arafat qui est décédé comme ça là. Un an, les gens pleurent toujours à Arafat. Donc, ça là, ça ne va pas ternir leur image. Parce que ça n'a pas terni l'image de Arafat. Au moins, je comprenais pour Arafat. Je pouvais comprendre pour Arafat. Quand je dis je pouvais comprendre, parce que le physique de Arafat, son physique et l'image et la façon de faire qu'il montre, même dans ses chansons, Même dans ses chansons, il est brutal dans ses chansons. Tout le monde voit Arafat, il a le sang chaud. Donc, si lui, il brutalise, je ne dis pas aussi que je cautionne la brutalité faite sur la femme. Non. Mais si lui, il brutalise la femme, ça ne va pas trop nous choquer. Pourquoi? Parce qu'on voit le physique en lui, on voit qu'il est quelqu'un hot tempo. Il a le sang chaud. Au moins, lui, il n'est pas venu se mettre devant nous, chanter l'amour, chanter pour la femme, faire ci, faire ça, et aller faire le contraire en privé. C'est que toi, c'est ce que tu as fait. C'est ce que toi, Sidiki, que tu as fait. L'image que tu nous as montrée et le vrai Sidiki qui est dans ta maison, deux personnes différentes. Deux personnes différentes, c'est écrit. Alors, quant à Mamacita, toi aussi, tu as été naïve, tu as été bête. Pourquoi je dis ça, ma chérie? Parce que tu étais tellement aveuglée par l'amour que tu avais pour Sidiki. Parce que ce genre de truc, moi, je me dis à la base, est-ce que Mamacita n'aimait pas Sidiki au bout avec Sidiki?
Genre, elle n'adorait pas. Parce que, voilà, les Chinois ou une Chinoise, ou regardez l'exemple, prenez l'exemple sur, je ne dirais pas qu'elle peut avoir la même, je vois qu'elles n'ont pas les mêmes visions, les mêmes esprits et tout. Eunice était fan numéro un ou fan quoi de Arafat. Amoureuse de Arafat en coulisses. Jusqu'à on l'a posé la question que si Arafat voulait sortir avec toi, est-ce que tu allais accepter? Elle a dit oui. Elle a dit qu'elle allait accepter. Donc, Eunice comme ça là, elle peut rentrer dans le foyer avec Arafat ou elle peut être en concubinage avec Arafat. Arafat va la frapper aujourd'hui, demain, après-demain, elle ne va pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle aimait Arafat bien avant d'être avec Arafat. Donc, Mamacita aussi, ça peut se passer comme ça. Elle peut être une fan de Sidiki. Hein? Elle peut être une fan de Sidiki. Et puis, maintenant, donc tout ce que Sidiki va faire comme erreur, elle ne va pas voir ça en erreur. Elle ne va pas voir ça en erreur. Mais ma chérie, le cas de Sidiki là, ça s'est passé. Parce que quand ça va venir là, je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui adorent ces trucs comme ça. Beaucoup de responsables, beaucoup d'autres stars aussi qui vont vouloir venir vers toi. Si toi-même, Mamacita là, tu t'es assise et puis tu as laissé un autre homme te faire la même chose, tu penses que nous, on va venir s'asseoir encore pour venir toi te défendre, pour venir parler en ton nom? Jamais de la vie, ma chérie. Jamais de la vie, ma chérie. Parce qu'avec Sidiki, tu t'es comporté en idiote. Avec l'autre, là, tu vas être une imbécile. Comment toi, tu peux rester avec un homme qui te frappe aujourd'hui? Il te frappe demain. Pendant combien d'années il te frappe? Et puis, que aussi, d'après ce que j'ai appris sur les trucs là, les gens de Mandé Joliden là et tout, Mali Joliden là, que quand Sidiki, tellement il était accro à la violence, si lui, il ne pouvait pas battre ses copines, qu'il soit dans ses tournées, par exemple, qu'il va appeler et que lui, il soit en désaccord avec une de ses copines et tout, il va appeler ses amis pour dire à ses amis-là de frapper sa copine-là, de filmer et de l'envoyer, il va voir. Mais c'est que toi, tu es quel genre de démon? Hein? Tu es quel genre de démon? Donc, toi, quand on frappe femme-là, et puis on t'envoie la vidéo, tu regardes ta propre copine. Quand tu regardes, tu te masturbes avec ça. Peut-être que tu es puceau aussi. On ne sait jamais. Je dis, chacun a son fantasme. Chacun a son fantasme. Attendez, je vais voir si je peux vous faire écouter ça. Ok. Bonjour à tous. Kaudim Junior avec Hamza Bessou. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Notre frère est là, Badguru. Bonjour, bonjour à tous. Oui. J'ai vu ça, on a parlé, je l'ai dit non, boss. Et qui serait le coup. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, seulement, elle avait un coulon. Hein. Mm-hmm. Voilà, elle a soulevé son coulon. En le voyant que sa jambe, c'est moi, j'étais choqué. Tellement qu'il y avait des cicatrices. J'ai dit non. On a demandé à d'autres personnes qui nous ont dit, de sa famille même, qui nous ont dit que c'est du genre, quand il est en querelle avec sa fille, il est capable de les attacher et de les mettre dans le coffre de sa voiture. Là déjà, c'était les coffres. Jamais il n'y a eu des témoignages. D'autres témoignages. Ok, il n'y a pas de soucis. C'est... tout ça, c'était vraiment sidéré. Voilà, ça m'a sidéré au fait. Donc, du coup, on dit ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous maintenant? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Donc, Aya Fouaniana, un peu de Bambara aussi, pour ceux qui nous écoutent. Donc, Aya Fouaniana, qu'elle a du mal à trouver un avocat
Et puis aussi qu'elle a tenté des procédures judiciaires, que apparemment les procureurs sont corrompus, pas trop quand même. Donc on a dit ok, il n'y a pas de souci. Vu que nous sommes un peu suivis sur les réseaux sociaux, on va rendre l'affaire publique et on va t'aider aussi à trouver un avocat. Donc ça, c'est le bon sens qui demande ça. Donc d'abord, on fait une vidéo, donc on va publier après. Donc on a fait, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? Avant même de publier la vidéo, on a cherché à savoir maintenant. Là, ça nous a tiqué. On s'est vraiment posé des questions. Alors, c'est qui serait vraiment capable de faire de telles choses? Donc, on a demandé de gauche à droite. On a demandé aux amis en commun, aux amis qu'on a en commun avec l'intéressé même. Donc, les amis qu'ils ont en commun avec ceux qui y a batté. Franchement, c'était choquant puisque beaucoup même nous ont dit qu'ils ont même l'habitude de le voir frapper ses copines, que c'est du genre, que même s'il est en voyage, qu'il y a, je ne sais pas, une querelle entre lui et une de ses copines, qu'il envoie ses amis chez la fille là en question, qui vont filmer la fille, et ses amis vont tabasser la fille, et que celui qui débattait, regarde ça, c'est genre un appel vidéo. Donc là, j'ai dit, mais c'est pas vrai. On a demandé à d'autres personnes qui nous ont dit, de sa famille même, qui nous ont dit que c'est du genre, quand il est en querelle avec sa fille, il est capable de les attacher et de le mettre. Là, déjà, c'était les comptes. J'ai dit non, mais jamais il pourra faire ça. Et puis, les témoignages nous venaient de plus, on s'intéressait plus, d'autres témoignages nous venaient. Donc là, on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. On va publier la vidéo. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est, comme vous l'avez si bien dit, c'est vous aider à trouver un avocat, à entamer une procédure judiciaire. Et c'est ce qu'on a fait le lendemain. On est parti la chercher, on est parti au tribunal, on s'est entretenu avec le procureur et puis on est parti chez une avocate qui s'appelle Nadia qui s'occupe désormais de l'affaire. Donc, je vais laisser les numéros 10 parler un peu aussi. Donc, après, je vous reviens. Alors, Mawa Kamara Keita, tu dis de chercher. Je ne cherche pas à savoir la vérité. Je ne cherche. Vous savez pourquoi je ne cherche pas à savoir la vérité? Parce que un homme n'a aucun droit de lever la main sur la femme qui a une fois ouvert, pardon, ses jambes pour toi. Tu n'as aucun droit. Que celui qui paye la maison pour Mamacita aujourd'hui et que Mamacita amène un autre homme pour baiser là-bas. Mais si ça ne va pas là, mais séparez-vous. Si tu as payé maison, elle a pris un autre homme, elle amène à la maison là pour Mougou, l'homme là dans ta maison. Mais c'est parce que toi-même tu la bats à tout moment. Mais Mamacita, toi-même tu es gentil. Moi, c'est pas dans la maison que celui qui a payé que je vais amener l'homme. Hein. Tu dois prendre l'homme là, tu amènes devant la cour du papa de celui qui est batté pour faire ça. Donc vous, maintenant, vous jugez le comportement de Mamacita. Que ouais. Qu'elle a fait ci, elle a fait ça, elle a envoyé un homme, Cédric lui donnait des trucs, elle faisait des chantages à Cédric. Elle doit faire chantage. Les femmes font chantage à leurs copains. Les femmes qui n'ont même pas été battues d'abord, qu'on n'a même pas encore touchées. Qu'on n'a même pas encore touchées. Moi, si vous m'amenez vos saloperies là ici aujourd'hui, je suis trop proche de mon téléphone. Hein, vous me mettez n'importe quel commentaire qui va me faire mal. Je ne vais même pas vous bloquer. Je vais d'abord bien vous lessiver. Toi, je n'ai même pas dit ton nom. Il faut continuer encore. Je vais te montrer ce que je dois fermer. Avorton va. Hein? Il y a des femmes, il y a beaucoup de femmes qui font des chantages aux hommes. Ces femmes-là n'ont même pas été touchées. Elles n'ont pas été battues. Cicatrice que Mamacita a sur son corps là. Hein? C'est la maison que celui qui a payé là, qui pourra enlever les cicatrices là. La douleur qu'elle avait là, quand celui qui éteignait les trucs, les cigarettes sur elle là. C'est la maison là qui va. Quand celui qui la baise quelquefois la nuit, elle ne veut pas. Mais il faut qu'elle le fasse par amour ou par Dieu seul sait pourquoi. Mais il faut qu'elle le fasse. C'est la maison là qui va rembourser ça. Les 7 ans qu'elle a perdu avec Cédric là, et puis rien, nada, pas mariage, même pas un seul gosse au moins pour la réconforter. Dire ouais, au moins je vais pas t'épouser, mais en signe d'amour, des bons moments qu'on a passé ensemble, je te laisse avec un enfant. Hein? Je te laisse au moins avec un enfant pour partir avec ça.
Mais non, rien. Donc, dans l'histoire, là, il n'y a pas à faire de chercher vérité ou pas chercher vérité. Si Siri qui veut, il n'a qu'à envoyer diamant, il n'a qu'à mettre sur la tête de Mamacita aujourd'hui jusqu'à dans ses pieds. La violence, c'est la violence. Tout le monde a vu comment les gens ont réagi ici quand Arafat a frappé le garçon là. Lui là-même, c'était même pas une femme, c'était un garçon. Un de ses petits là, un de ses danseurs ou petits, je sais même pas quoi. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Il y a eu des vidéos où les gens sont sortis. En ce temps-là, vous n'avez pas dit que le petit est allé se coucher là-bas pour que. Ou le petit a provoqué Arafat pour terminer à l'image de Arafat. Parce que nous tous, on a vu ça sur les réseaux sociaux. C'est lui qui n'a appelé personne pour dire à quelqu'un. Mamacita n'a appelé personne, on a tous vu sur les réseaux sociaux. Donc, on a, sur ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, c'est sur ça, moi, je juge. Leurs 7 ans de relation là, j'ai dit d'après. J'ai bien parlé, j'ai dit d'après. Parce que moi-même qui parle là, je n'ai pas la preuve que Cyril Diabaté a fait 7 ans avec Mamacita. Mamacita là, on ne la connaissait même pas. On ne savait même pas si les deux la sortaient ensemble. Au moins, Bijou Siraba, Cyril qui a eu sa fiche avec elle et tout. Donc, Mamacita, il fallait commencer à te poser la question. Le gars là, c'est une célébrité. Le gars là, c'est une star. Il est aimé par des milliers de personnes. Il ne s'affiche pas avec moi. Personne ne me connaît. Je suis. Toi, tu n'étais même pas dans l'ombre. Toi, tu es Mamacita, tu étais dans le trou. Tu étais dans un trou sombre. Tu le vois s'afficher avec d'autres femmes. Tu t'arrêtes, tu te mires, toi-même, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce que je n'ai pas que ces femmes-là ont? Parce que tu t'étais rendu trop accessible pour Siriki. Donc Siriki ne pouvait plus avoir de la considération pour toi. Qu'il te donne des millions ou des milliards ou des je sais quoi. Ce qu'il a fait là ne justifie pas ça. Ces millions là ne pourront jamais remplacer ça. Même si Mamacita, combien le nombre de temps qu'ils étaient ensemble. S'ils ont fait un jour, s'ils ont fait une minute, s'ils ont fait une seconde, on s'en fout. C'est pas notre problème. Mais Siri qui a levé la main sur elle. Point barre. Point barre. C'est pas nous les femmes que tu glorifies, Siri qui. Et c'est nous que tu humilies encore. C'est seul Dieu qui va te juger. C'est seul Dieu qui va te juger. Tu sais, ils ont dit ici, comme qui même a dit, Debordo a dit ici que c'est toi qui a. Que tu fais partie. Que tu fais partie de l'histoire là. Tu te rappelles de ça, non? Siriki. Tout le monde a écouté la vidéo de Bordeaux là, non? Tu dois te poser la question si toi aussi tu as quelque chose à voir dans l'histoire d'Arafat là. Mieux vaut sortir dès maintenant. Oh. Hé, hey, Siriki. Sors dès maintenant. Oh. I'm warning you. Parce que ton histoire avec Mamacita là, ça s'est passé il y a des années. Pourquoi c'est maintenant là que ça a explosé? Kweba fo kon son, ma kono. I son da fo yma kweba men, di wiko. Donc Siri qui c'est le moment de sortir maintenant. Faut sortir, faut commencer à confesser. Ou parle à tes proches. Parce que ton histoire de Mamacita là c'était en privé. Dieu a pris ça comme ça, woba 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 c'est sorti. Combien d'années c'était caché, on ne connaissait pas. C'est maintenant là que c'est venu. Peut-être qu'Arafat est en train de se promener où? Oh. Il se promène où? Oh. Ça c'est Daichi de la Chine ça. Oh. Lui là il pardonne pas. C'est vivant il n'a pas pardonné. C'est pas quand il est mort là qu'il va pardonner. Donc c'est lui qui. I'm warning you. Confesse. Confesse. Voilà. Faut venir nous dire où. Oh. Alors. Mamacita, arrête d'être stupide, arrête d'être dire une femme. Moi, je n'ai rien contre les femmes qui dépendent des hommes. Mais il ne faut pas dépendre à 100% de l'homme. Parce qu'un homme a droit de te donner, de te faire des cadeaux. Pardon. Un homme a le droit de prendre soin de toi. Comme toi aussi, tu prends soin de lui. Un homme a le droit de subvenir à quelques besoins de sa copine ou de sa femme
financièrement, moralement. Mais il ne faudrait pas dépendre de l'homme à 100%, 100%. Non. Non. Et quand tu es avec un homme, tu n'as pas de vie. Parce que quand tu dépends d'un homme, tu n'as pas de vie. C'est quand il veut que tu craches que tu vas cracher. Quand il veut que tu pètes que tu vas péter. Donc, arrêtons de dépendre des hommes à 100%. Dépendre d'un homme à 100%, là, tu n'auras pas de vie, tu n'as pas d'identité. Tu n'existes pas dans le film. Même behind the scenes, déjà avant le tournage, quoi, dans le tournage, tu n'existes même pas là-bas. Peut-être là où on écrivait, c'est là-bas, tu vas voir, c'est vous, là, les femmes, là, on appelle les figurantes. Ou dans le scénario, on mentionne ton nom là-bas, mais dans le film même, tu n'es pas là-bas. Pourtant, c'est toi l'actrice principale. Mais tu n'existes pas. Mais oui, Claudine, tu dis, je rote trop, mais je vais roter parce que j'ai bu je bois du champagne. Et le champagne est gazeux. Donc, c'est le gaz. C'est pourquoi je rote. Hein? Toi-même, tu n'existes pas dans le film. Pourtant, c'est toi qui dois être l'actrice principale. Mais tellement tu dépends de l'homme, donc tout ce que l'homme veut, à quel moment, où, comment tu vas le faire, tu es obligé de le faire. Donc c'est pourquoi on dit dépendre à 100% d'un homme, c'est pas bien. Voilà, c'est ça, mais hey, je te dis, la directrice de Champagne, elle a déjà répondu, elle dit, fais Champagne, elle le connaît.